Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. S'il veut se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone va devoir battre le FC Porto d'un certain Evanilson. Battu à la surprise générale par le Shakhtar Donetsk lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, le FC Barcelone s'est privé d'une qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions après deux journées. Si ce n'est sans doute que partie remise, le Barça doit impérativement battre le FC Porto ce mardi, 21h, à Montjuïc pour s'éviter un dernier match très stressant à Antwerp le 13 décembre. Si le Barça, qui s'est imposé au Portugal, part favori contre les Dragons, il y a quand même une menace qui plane sur les Blaugrana, le Lewandowski de Porto, Evanilson. Le Brésilien est en effet dans une forme époustouflante avant de se rendre à Barcelone, 9 buts en 11 matchs, dont 4 en Ligue des Champions. Face à un FC Barcelone qui suscite énormément d'interrogations dans le jeu, la présence du co-meilleur buteur de la compétition, avec Haaland, Kane et Griezmann, sera bien évidemment à surveiller comme le lait sur le feu par l'arrière-garde catalane, surtout que l'intéressé a réellement explosé cette saison après le premier affrontement entre les deux équipes lors de son triplé marquant à Anvers. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, était très remonté après les pénaltys potentiellement oubliés sur Robert Lewandowski et Rafinha samedi. Interrogé sur cette rencontre par El Chiringuito, Joan Laporta n'a pas manqué de pester sur les deux pénaltys non sifflés sur Robert Lewandowski et Rafinha. Il s'agissait de deux pénaltys très clairs. Nous essayons de gagner, c'est notre thème, le reste appartient déjà au passé, a-t-il lancé avant de se projeter sur la rencontre contre Porto. Je suis convaincu que l'équipe va tout faire pour gagner le match et aussi gagner pour Gavi et ainsi pouvoir lui dédier la victoire et le classement. Contre Porto, j'espère que nous ferons un bon match et que nous nous qualifierons pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le président du Barça s'est ensuite prononcé sur l'avenir de Xavi, nous resserrons complètement et absolument les rangs avec Xavi. C'est notre coach et nous sommes très fiers de l'avoir avec nous. Nous sommes avec lui en toute confiance. Maintenant, il a récupéré Pedri et Frenkie. Et quand il ne les a pas eus, il s'en est plutôt bien sorti compte tenu des circonstances. Je lui ai parlé après le match contre le Rayo et il est très motivé. Nous sommes conscients de ce qu'il y a et Xavi le fait bien. Enfin, il a tenu à féliciter le voisin catalan, Gérone. C'est une fierté pour les Catalans que Gérone se porte si bien, nous sommes très heureux, mais j'en profite pour leur dire de ralentir un peu, d'y aller un peu moins fort, a-t-il conclu en plaisantant. Malgré le fait que la direction barcelonaise ait conforté Xavi juste avant la trêve, une défaite face au FC Porto ce mardi soir en Ligue des Champions pourrait s'avérer fatale pour l'ancienne gloire du club, et Xavi en est conscient, selon le média madrilène AS. Le Barça doit absolument s'imposer à domicile s'il veut valider sa qualification dès ce mardi pour les huitièmes de finale de la LDC. Pour succéder à Xavi, le président du FC Barcelone Joan Laporta aurait déjà sa petite idée. En effet, à en croire les informations du média catalan Sport, Rafael Marqué, ancien joueur et désormais entraîneur du Barça Athletic, serait le favori pour reprendre les rênes du champion de Liga en titre si Xavi venait à être licencié. Voilà qui va mettre encore un peu plus de pression sur les épaules de l'ancien numéro 6 Blaugrana. L'intérêt entre le FC Barcelone et Joshua Kimmich, le joueur du Bayern Munich, semble être réciproque. L'info a fuité depuis quelques semaines déjà, le FC Barcelone lorgne Joshua Kimmich, l'international allemand du Bayern Munich, au cas où celui-ci ne prolongerait pas en Bavière. En fin de contrat, Kimmich tarde à prolonger l'aventure et selon AS, le Barça n'y serait pas étranger. Le média espagnol croit en effet savoir que lors de plusieurs conversations avec Xavi, l'Allemand a montré une prédisposition pour rejoindre le Barça. L'idée lui plairait. À suivre, donc. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.